läuft. Ton läuft. Wir zeigen mit der Ausstellung von Sebastian Lifschitz einen Querschnitt durch die Geschichte des 19. und 20. Jahrhunderts von Leuten, die sich in den Normen des jeweils anderen Geschlechts kleiden. Und diese Geschichte hat sich oft eben nicht nur auf den Bühnen und außen abgespielt, sondern vor allem eben im Verborgenen, weil es lange Zeit eben gesellschaftlich geächtet und tatsächlich auch verboten war. Und deswegen ist es die quasi geheime Geschichte des Phänomens des Crossdressing. Au début, j'ai pas du tout pensé que je faisais une collection. Quand j'ai commencé à acheter des photos, j'étais un adolescent en fait complètement amoureux de la photographie. Et je vivais à Paris et j'avais l'habitude d'aller très souvent au marché aux puces. Et il y avait là beaucoup de photos abandonnées dans des cartons un peu pourris, dans des valises abandonnées. Et j'ai commencé à en acheter une, deux, trois, quatre, cinq comme ça. Les photos étaient souvent des photos amateurs et je les trouvais magnifiques. Mais j'étais aussi un adolescent qui découvrait son homosexualité et j'étais à la recherche en fait d'une histoire de l'homosexualité, de savoir comment c'était avant, comment les homosexuels vivaient, comment ils vieillissaient. Petit à petit, j'ai réussi à trouver comme ça des images d'homosexuels et aussi de personnes travesties. Et ce qui était passionnant, en fait, pour moi, c'était que j'ai découvert un monde comme secret. C'est parce que ces images, en fait, sont rares. Elles étaient pour la plupart détruites, parce qu'elles étaient dangereuses. Elles étaient faites à des époques où il y avait une intolérance, voire une, je dirais, une condamnation très sévère, en fait. De toutes ces personnes homosexuelles ou transgenres. Et je trouve qu'aujourd'hui, de les voir rassembler, ces photos, je vois qu'elles racontent une histoire, une histoire qui a été invisibilisée et qui pourtant est, je pense, essentielle. Was ich total aufregend finde an dem Material, was wir da jetzt zeigen können, ist, dass wir als Haus für Fotografie ja quasi immer versuchen, so das Medium in seiner Breite darzustellen. Das heißt, wir haben natürlich viel kunstfotografische Positionen, aber gerade so ein amateurfotografisches Archiv, was eben da jetzt so einen ganz breiten Fokus hat oder eben Korpus abbildet, ist jetzt einerseits technikgeschichtlich total spannend, also weil wir haben es mit Ferrotypien zu tun, die auf Blechen aufgezogen sind. Wir sehen Ambrotypien, auch das so eine ganz frühe Form der Fotografie, Albuminabzüge auf Kartevisiten, die man sich so hin und her getauscht hat, Silber-Gelatine-Abzüge. Also es ist so ein Querschnitt durch die ganze Technikgeschichte der Fotografie. Das ist total aufregend. Und da drin ist eben auch einfach Sozialgeschichte konserviert. Ne? Es ist eben keine künstlerische Interpretation von Phänomenen oder von eben jetzt in diesem Fall dem Phänomen Queerness oder Fragen von Geschlecht, Identität, sondern das sind Bilder, die die Menschen aufgenommen haben, weil sie persönlich damit verbunden waren. Es ist quasi wirklich ein Dokument Zeitgeschichte einfach. Und das ist gerade in so einem Thema, das eben zu einem Großteil nicht auf den Bühnen stattfindet, sondern im Verborgenen stattfindet, ist das das Material, aus dem man jetzt im Nachhinein noch rekonstruieren kann, wie die Menschen sich wirklich verhalten haben, ne? Und wie die Menschen sich da zu eben den Themen, die wir jetzt heute als queer bezeichnen, quasi positioniert haben. Ohne Sammlungen wie diese wäre das alles verloren. Deswegen finde ich das super aufregend und toll, dass wir diese Sammlung bei uns präsentieren können. Il y a une image dans l'exposition quand même qui me touche particulièrement, qui est celle d'un homme qui s'appelle Jim. C'est une photo que j'ai trouvée à New York. Et on voit un homme, c'est une photo des années 40, un portrait noir et blanc, et il a une certaine gravité dans le regard, dans la manière de poser, et il a un rang de perles autour du cou, un haut très simple, comme ça, et sa coiffure est légèrement crantée, comme à l'époque. Et il y a un mélange de masculinité et de féminité dans sa présence que je trouve incroyable. Elle est totalement assumée, en fait. Et cette fluidité, elle est pour moi d'une modernité incroyable.
Et je parle d'une photo qui a été faite il y a 80 ans, où on est vraiment dans un contexte complètement différent, où aux États-Unis la société est particulièrement conservatrice et réactionnaire. Et d'avoir cette photo de cet homme dans cette attitude totalement assumée, je trouve, est quelque chose d'incroyable en fait. C'est un peu mon héros, quoi.